La cible, ce sont les familles recomposées, puisque le classeur est un lien entre tout le monde, les papas qui ont envie de s'organiser, et puis aussi les mamans qui ont envie de sortir la tête de l'eau et de ranger enfin tous les papiers au même endroit. Le classeur est divisé par intercalaire en fonction des différents pôles et sujets de la maison. Le répertoire qui allie tous les côtés urgences, qui appelait en cas de coup dur, les urgences concernant aussi bien la maison que la santé. Les calendriers pour s'organiser tout au cours de l'année. Un calendrier par mois, un calendrier aussi hebdomadaire qui sert beaucoup quand il y a des semaines un petit peu charnières dans une année. La partie des enfants, qui est la partie très importante, avec une pochette zippée qu'on peut emmener un peu partout avec l'enfant quand il se balade, quand il part en week-end ou pour les familles monoparentales ou recomposées, c'est très intéressant, ça rassure tout le monde. Il y a la partie maison avec les checklists quand on déménage, les animaux également. Il y a la dernière partie qui est tous à table avec des recettes, des idées de menus, enfin bref, les petits incontournables pour se faciliter la vie. C'est un classeur SOS.